Bienvenue les Fraiseurs, nous sommes de retour pour de nouvelles choses hors du commun, des témoignages terribles que nous allons écouter. Aujourd'hui, nous allons savoir pourquoi avant d'épouser une femme ou un homme, il faut vraiment prier que Dieu nous montre l'état d'âme de cette personne. Sinon, cette personne va nous détruire, cette personne va nous anéantir et même risque de nous ruiner. Il a épousé une sorcière. Et voici la conséquence. Quelles sont les conséquences? Écoutons ce témoignage. L'histoire que je voulais raconter s'est passée en Côte d'Ivoire, dans une ville, pardon, une ville de la Côte d'Ivoire. La ville, c'est Soubré. C'est l'histoire de mon amie intime et sa grande sœur. Lorsqu'ils étaient très petits, ils ont perdu leur maman. Et le papa s'est remarié, s'est mis avec une femme vraiment qui avait elle aussi des enfants. Mais elle n'était pas vraiment gentille, ce n'était pas la belle-mère parfaite. Elle maltraitait énormément. Et mon amie et sa grande sœur. Ils vendaient l'eau puisqu'elle avait un réfrigérateur. Les enfants vendaient l'eau. Pendant que elle, ses enfants partaient à l'école, elle envoyait les enfants de l'autre pour aller vendre l'eau, tout ça. Et la petite, franchement, elle n'approuvait pas. Elle n'approuvait pas, elle n'était pas du tout d'accord. Donc, un jour, elle a fait des histoires même avec les enfants et son mari. Chose bizarre, le papa. C'est comme s'il était. C'est bizarre, un père qui voit ses enfants peut-être dans une souffrance, qui peut s'élever pour parler à sa femme, mais il était sous l'emprise de la femme. Jusqu'à ce qu'il mette la grande fille dehors. Parce qu'elle était petite, mais elle priait beaucoup. Il a mis sa fille dehors. Et sa fille était dehors avec ses amis. Elle partait à l'école. En tout cas, elle n'était plus dans la cour familiale. Jusqu'à la petite priait, priait. Un jour, le monsieur s'est ressaisi. C'est là qu'il s'est rendu compte qu'il a mis sa fille dehors. Il a ramené sa fille à la maison. Donc, un 1er janvier, le monsieur est sorti avec sa femme. Ils sont allés fêter ailleurs. Donc, c'est les deux enfants là qui sont restés à la maison. Donc, et sa grande sœur, que je vais donner le nom de peut-être Mariam, qui était sortie. Et pendant son absence, il y a une fille qui est venue à la maison, une jeune fille qui est venue à la maison. Ah, comme c'est le lieu de la fête, ma maman dit de vous donner la nourriture là. Donc c'est mon ami là qui a réceptionné la nourriture. Donc il aime manger, il aime tellement manger. Quand il voit manger, il perd ses sens. Donc il a pris la nourriture, tout ce que tu voulais manger. Et puis sa soeur est venue. Elle dit, ah, il mangeait ça, l'a quitté. Elle dit, non, c'est une fille qui est envoyée. Elle vient à peine d'envoyer la nourriture. Elle vient à peine de partir. Elle a arraché la nourriture, là. Comment ça? C'est quelle fille? Il décrit la fille, là, même on ne la connaît pas. Non, sa grande sœur, tout de suite, elle prend la route. Pourtant, c'est une grande voie, une voie normale, même. Elle prend, elle sort avec son jeune frère. De là à là, on ne trouve plus la fille qui a envoyé la nourriture. Ils ont cherché la fille dans le petit carré là, ils n'ont pas trouvé. Non, sa grande sœur s'est énervée. Comment quelqu'un voit la nourriture? On ne sait même pas c'est qui. Et puis toi, tu te permets de tu vas manger la nourriture, ça va pas, non? Elle a pris assiette, tout, elle allait jeter à la poubelle. Comme si elle était énervée, elle allait jeter la nourriture à la poubelle. Donc, c'est passé. Après, quand les parents sont revenus, quelques temps plus tard, la dame en question est tombée gravement malade, le marâtre. Elle est tombée gravement malade, l'envoyer dans les hôpitaux, prier, faire des médicaments, ça ne va pas. Je vous assure, elle a ruiné le monsieur parce que c'était un fonctionnaire. Les économies, le monsieur s'est endetté pour soigner la dame. La dame, elle est gravement malade jusqu'à ce qu'on la sorte de l'hôpital, on l'envoie quelque part. Ça n'allait pas. Ah, elle pourrissait même. Elle est couchée, puis elle pourrit. Jusqu'en. Elle a décidé de se confesser finalement. Eh, l'homme noir est méchant. Elle a décidé de se confesser finalement. Elle dit non, qu'elle est une sorcière. Que franchement, elle, sa mission, c'était de tuer le monsieur. Mais à cause de la petite, là, la petite priait tellement que ça la dérangeait. Elle ne pouvait pas tuer le monsieur. C'est pour ça qu'elle a permis à ce que le monsieur mette sa fille dehors, espérant que elle allait pouvoir tuer le monsieur. Malgré que la petite est partie de la maison,
Elle n'arrivait toujours pas à tuer le monsieur jusqu'à ce que le monsieur fasse revenir la fille. Maintenant, elle va raconter l'histoire qui s'est passée, même eux-mêmes, ils avaient oublié. Parce que quand l'histoire s'est passée, même ils n'ont pas dit à quelqu'un aussi. Chose bizarre, ils n'ont pas expliqué l'histoire à quelqu'un. L'histoire de la nourriture qu'ils avaient envoyée le 1er janvier, elle a dit non, c'est elle qui a envoyé mystiquement quelqu'un pour envoyer que c'était la viande de sorcellerie pour envoûter les deux enfants. Parce que, au moins, si les enfants sont envoûtés, elle pourra vraiment atteindre les papas puisqu'elle ne pouvait pas. Mais malheureusement, les enfants n'ont pas consommé la nourriture. Non, puisqu'elle avait, elle avait sa mission de tuer le monsieur, elle ne pouvait pas tuer le monsieur finalement. C'est elle qu'ils ont pris. C'est pour ça qu'elle est tombée malade. Elle a ruiné le monsieur. On ne pouvait pas la soigner parce que son âme était déjà partie. C'est son corps seulement qui est là. Il a fallu qu'elle se confesse avant qu'elle ne meure. Mais elle avait ruiné le monsieur financièrement. Il avait trop dépensé pour elle. Donc, suite à ça, qu'elle a fini de rendre. Elle-même, elle disait que ses enfants étaient dans la sorcellerie. Elle avait initié ses enfants aussi dans la sorcellerie. Quand elle a fini de se confesser, elle a rendu l'âme. Le monsieur était vraiment choqué. Quand il pense qu'il a hébergé vraiment une sorcière, pendant tous ces temps, il n'a pas vraiment. Marié que sa femme était décédée, il n'a pas pu s'occuper de ses enfants convenablement. Parce que, voilà, il a épousé une sorcière qui l'a vraiment ruiné tout ça. Et il a pris ses enfants, après, il s'est ressaisi. Il s'est ressaisi, il a pris ses enfants, il s'est remarié après, mais cette fois-ci, c'était avec une bonne femme. Mais Dieu merci, aujourd'hui, ses deux enfants travaillent, tout va bien dans leur vie. Mais malheureusement, le monsieur, il est décédé des années plus tard. Mais la moralité, c'est un peu compliqué parce qu'on est dans un monde où on ne maîtrise pas tout. Le monsieur, ce n'était pas une méchante personne, seulement qu'il a eu le malheur d'épouser une sorcière. Donc, ça l'a causé un peu préjudice dans ses finances. Il a été ruiné un moment, mais bon, il avait repris tout ça. Donc, faisons vraiment attention aux hommes ou aux femmes que nous épousons. Il y a des sorcières parmi elles qui sont là, qui sont venues pour une mission, pour ruiner ou pour tuer même des gens. Donc, faisons vraiment, vraiment attention. Demeurons beaucoup dans la prière pour que si ce genre de situation arrive, on peut vraiment triompher. Parce que tout le monde n'est pas vraiment gentil. Donc, prions énormément, énormément. Et soyons très, très vigilants. Ce n'est pas tout ce qui brille que de l'or. Ne vous fiez surtout pas aux apparences. Et si vous êtes une personne qui a beaucoup pitié, méfiez-vous. Parce que les sorciers profitent de cela pour vous tendre des pièges. Bien, nous allons écouter maintenant le témoignage d'une personne béninoise qui va nous dire des choses qu'on a besoin d'entendre. Tu sais qu'au Bénin, il y a deux voix. Au Bénin, il n'y a pas une troisième voix, hein. Il y a deux voix. Ça dit que soit tu es un religieux fervent, pas d'hypocrisie, soit tu es un idolâtre et sorcier façon. Et tu vois, donc il n'y a pas une troisième voie pour dire que bon, je suis libre, je ne fais rien. Sinon, tu seras la proie des autres. Sinon, l'histoire c'est remonte en 2014, quand j'étais en deuxième année en sciences sociologie et anthropologie. Donc, au temps de l'ancien président, à partir de la deuxième année, donc tu peux faire soit la vacation, soit tu peux mettre même un étudiant vacataire, c'est-à-dire que tu peux être dans une école primaire et en même temps suivre tes cours. Donc, c'est comme ça, bon, vu la situation financière, donc j'ai décidé, bon, de la deuxième année, en fait, pour entretenir une classe de CE, en tout cas on dit CP ici, c'est-à-dire que cours initiative deuxième année, après le CI quoi. Donc ma première fois, j'étais allé au cours, en tout cas j'ai dit aux enfants de se présenter, il y a un enfant là, c'est lui le plus petit on peut me dire, parce que c'est lui le moins court de la classe. Il se le plus court de la classe plutôt. Donc, lui, les autres se présentent. Je suis arrivé à son niveau de se présenter. Il me regarde. Présente-toi. De toute façon, le petit ne veut pas parler.
D'accord. Tu ne peux pas parler. Il faut écrire ton nom. Il n'a même pas. En tout cas, c'est comme, je vais dire sûrement, peut-être l'enfant, peut-être c'est un mongol, mais en façon comme ça. On s'est laissé passer. Toute la journée, l'enfant, tu passes devant, il te regarde. Tu vas derrière, il tourne, il te regarde. C'est quel enfant ça? J'ai fait ça 3 jours. Quatrième jour, je suis venu au cou. Quand je suis venu au cou, l'enfant, je suis là, il me regarde. J'ai dit, hey, toi, pourquoi tu me regardes? Et pourtant, on te parle, tu ne réponds pas. Il a souri, quoi. Il a seulement souri. Ah, donc, ça veut dire que c'est l'enfant-là. Il sait ce qu'il fait, ce n'est pas un mongol. Et je suis en train d'écrire au tableau et dit à ses amis de groupe, il dit qu'aujourd'hui, là, le maître a mangé la cassaille du poisson. Et moi, j'ai tourné le dos parce que je n'ai pas entendu ce qu'ils ont dit. J'ai dit, qui sont ceux qui sont en train de bavarder? Et il y a un camarade qui a dit que c'est l'autre. En tout cas, il a appelé son autre. Il dit que l'autre a dit que le maître a mangé la cassaille du poisson. La cassaille du poisson, quel maître? Il dit, vous non. J'ai dit, moi, et sérieusement, c'est celui qui a mangé ce matin. C'est quel enfant ça? Il dit, d'accord. J'ai dit, qui a mangé la cassaille du poisson? J'ai fait tout pour démentir le petit. Il a dit, maître, je vois ça dans votre ventre. Oh! C'est quel enfant? D'accord. En tout cas, j'ai fait semblant d'être courageux, quoi. J'ai insisté, moi, c'est le truc que moi, je n'amène pas à l'administration, si c'est le truc du spirituel. En tout cas, pour moi, je sais, en tout cas, je sais comment me protéger. J'ai dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Je suis rentré le soir. J'ai prié, j'ai prié. J'ai dit, d'accord, je vais voir comment, je vais mettre une barrière façon pour voir si l'enfant va reconnaître ce qu'il a mangé aujourd'hui. Le lendemain, je suis allé. Et en fait, j'ai pris du thé. Quand je suis allé à l'école, il me regarde. Et tu vois ce qu'il a mangé aujourd'hui? Il dit oui. J'ai mangé quoi? Il dit, le maître a bu du thé. On a, ah, tu es fort, hein? Parce que déjà, j'ai compris déjà, en tout cas, sa situation. J'ai dit, d'accord. Si c'est ça, peut-être, si les enfants sont comme ça, il faut savoir que les parents sont impliqués. Donc ça, du coup, c'est une famille, en tout cas, la famille nucléaire au moins, en tout cas, est au centre. C'est-à-dire que c'est sa famille aussi, ses parents, soit papa ou maman, ou bien les deux, ou bien en tout cas, la personne sur qui l'enfant est également dans le cas. D'accord, c'est pas grave. J'ai fait tout pour savoir le nom de ses parents. Il a dit le nom de sa maman et de son papa. Il dit, mais malheureusement, que son papa était mort. Gars, que c'est le petit gars qui a fini avec le papa. Il a dit, il est mort depuis quand? Il dit, je l'ai mangé il y a longtemps. Hein, tu es fort. Okay. Il n'y a pas de souci. Donc, j'ai dit que ta maman est où? Elle m'a dit, tu connais son nom? Elle a dit, le petit a dit. J'ai dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Gars, je fais souvent des rêves. Je vois, parce que la personne, il faut faire. En fait, si on dit rêve là, il faut savoir se ramener. Et tu vois, il faut t'avoir te ramener. C'est-à-dire que tu peux faire un rêve. Et là, si tu vois que bon, c'était dans le rêve, c'était une bataille et vraiment tu étais vaincu. Donc tu peux te ramener dans le rêve et pouvoir vaincre l'autre également. Sinon, si tu n'as pas pu faire ça, c'est grave. En tout cas, c'est les grands qui savent faire ça. 7 mois sur petit. Bon, en tout cas, c'est une partie de la science, quoi. Donc, quand il a dit le nom, j'ai dit, hein, il est comme ça. Il a dit, oui, d'accord. Donc, maintenant, je suis obligé de me préparer en conséquence. Et maintenant, la nuit, ils sont venus à deux. Quand ils sont venus à deux, en fait, c'est comme une communication, quoi, parce que c'est les âmes. C'est comme une communication. Parce qu'il faut savoir souvent te clôturer. Maintenant, quand ils sont venus, malheureusement, je ne dormais pas parce que j'étais en prière. Je lisais le Coran. Et en fait, il y a une partie là pour appeler les mauvais esprits. Donc, pour pouvoir les pénaliser, en tout cas, pour les châtier, quoi. Il y a une partie du Coran. Donc, tu fais ça.
tous les mauvais esprits, ou bien même si une personne était possédée, donc là, du coup, l'esprit est obligé de venir dans le corps, en tout cas pour manifester et là poser des questions. Donc, ils sont venus sous forme, en tout cas, sous forme d'oiseau. Et d'accord, là, ça serait bon. Maintenant, il faut savoir quand ils sont venus, tu fais appel. Donc, quand tu finis de faire appel, c'est-à-dire qu'il faut savoir maintenant les enrouler. C'est-à-dire que pour qu'ils ne puissent plus encore partir. Et là, tu auras maintenant le temps de faire ce que tu veux. Quand j'ai vu qu'ils sont venus, donc j'ai fait tout possible pour les attacher façon avec certains versets coraniques. Et maintenant, du tôle là, ils sont descendus en bas. Et j'ai ouvert la porte, c'est les hiboux. Et ce qui est bizarre, c'est le petit là qui est plus gros. C'est-à-dire que le petit, lui, il est initié depuis le ventre, quoi. Donc, c'est les parents qui ont acquis ça plus tard, mais le petit déjà, celui qui est plus gros, il faut savoir que la personne est initiée depuis le ventre. Donc, en tout cas, j'ai fait semblant de les parler. Malheureusement, je ne comprends pas les langues, mais ils peuvent comprendre, eux. Ils peuvent comprendre. Mais d'accord, si c'est ça, c'est pas grave. Je vais faire semblant de les châtier pour savoir si l'enfant demain, comment il va faire demain à l'école. Donc, je vais faire semblant en tout cas de les menacer. Et là, les laisser. Ils sont partis. À l'école, le matin, l'enfant est venu. Je suis rentré dans la classe, l'enfant a commencé par pleurer. Je suis le maître là, que lui ne va plus continuer. Il ne va plus s'asseoir à l'école. Et il est sorti. Et ce qui est bizarre, le petit est parti. Mon ami, c'est grave. Il est parti raconter ça au directeur. Il y a le directeur aussi. C'est la même chose. Pourquoi c'est difficile ici? C'est difficile. Quand maintenant, le directeur m'a fait appel, il dit bon, que le petit a dit tant que si tu vois qu'il est malade, qu'il ne se sent pas à l'aise, que hier tu l'as tapé. Il a dit, il faut lui demander où je l'ai tapé. On s'est vu où. Il a dit, il n'a qu'à aller à l'école, dans la classe, pour demander à ses amis si je ne l'ai pas tapé hier. Il dit que non, la nuit. Il a dit, la nuit comment? Moi, j'ai fait semblant de dire quoi. Le directeur a dit, bon, ne fais pas semblant. Parce que toi, tu vois déjà là, c'est vrai. Il a dit, comment ça? Il dit, bon, on se connaît, non? Il a dit, on se connaît, comment je ne comprends pas? Il dit, bon, en tout cas, maître, je vais t'expliquer une chose. C'est ça, même moi, c'est ça. Après, c'est comment ça? Il a dit que le directeur, que l'enfant, c'est, en tout cas, comme on dit, sous-patron, quoi. Que c'est son sous-patron. Ah bon, donc c'est ça. Et il me dit catégoriquement que tu n'es plus menacé l'enfant. J'ai dit, bon, menacer comment? Mais t'as dit que même s'il me menace lui dans les rêves ou bien dans la nuit, tu n'es plus me faire dire que de faire tout possible pour le régler ça. Ah bon, directeur, merci beaucoup. Maintenant, j'ai fini avec l'année comme ça. Je suis allé dans la classe, j'ai ramassé mes clics et clacs. Et j'ai abandonné maintenant l'enseignement dans cette école-là. En fait, c'est ça. Pourquoi il faut savoir maintenant? Si tu es ici au Bénin, c'est les deux voies là. Soit tu es un croyant fervent qui connaît bien sa, en tout cas sa religion, soit tu es un idolâtre et tu connais bien ta spiritualité de la sorcellerie. En fait, c'est une partie de mon histoire. Parce que si quand un Bénois veut te raconter l'histoire, il faut savoir garder parce que c'est des tas d'histoires. Si celui qui est dans la société, s'il a voulu te raconter, c'est des tas. Tu ne peux pas tout écouter. Celui qui est dans la religion, s'il veut t'expliquer, c'est des tas. Donc, c'est là que je vais m'arrêter où ce soir. Puis, salam alaikum. Voilà, à tout là. Aïe, aïe, aïe. Dites-moi ce que vous avez appris de cette histoire. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.